Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le lundi. Nous sommes le lundi 30 novembre. Et donc aujourd'hui je prépare mon vlogmas. Donc c'est-à-dire que je mets tout en place. Oh là, beaucoup de lumière. Oui, je vais laisser comme ça. Je prépare mes vlogmas donc pour le mois de décembre. Je vais mettre en place une guirlande. Celle-ci là, là que vous voyez là. Je vais mettre celle-là donc sur le mur que vous voyez en face. On a déjà une de guirlande, mais je sais pas, c'est pas assez. Je vais faire tout un mur en fait, tout un mur avec les guirlandes. Donc juste là où vous voyez toutes les photos. Et puis voilà. Donc, tout à l'heure, je vais sortir faire quelques courses, donc notamment acheter mon calendrier de l'Avent bah, pour le mois de décembre. C'est un peu normal hein, parce que demain on est déjà le 1er décembre. Pour faire les choses comme il se doit. Je compte bien vous faire un round tour en 2016 puisque là je dois bientôt reprendre ma chambre. Je vous dirai en temps et en heure, mais je vais bientôt reprendre ma chambre donc vous verrez. Pour l'instant vous la voyez en bleu, voilà, vous voyez qu'elle est bleue, vous verrez plus tard. Bah écoutez, il est 4h25. Il est 4h25, préparez ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour aller faire les courses. À tout à l'heure! Oui, d'accord, mais cette guirlande fait environ 450 mètres de long, donc oui, je vais voir comment je vais faire ça, putain, ça va être pas évident, Bon, on va voir ce que ça donne, on y va. Et bah dis donc, bah j'ai enfin fini de mettre les 450 mètres de guirlande. Donc voilà, donc je vais brancher, voir ce que ça donne. Oui! Ah bah c'est pas mal. Bah c'est plutôt cool tout ça. Alors on peut changer de mode. Ok, ça c'est cool ça. Moi voilà. Voilà, j'ai enfin terminé de mettre cette guirlande. Alors voilà, j'ai enfin fini de mettre la guirlande juste là sur le mur. Là on va sortir, je vais aller acheter les arbres de Noël, enfin les arbres de Noël, les calendriers de l'Avent, et puis je vous emmène avec moi. On y va, c'est parti. Pas trop, mais j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, donc les calendriers de l'Avent. J'en ai pris un célébration et un Kinder, enfin le Kinder, ouais. Donc voilà, je viens rejoindre ma mère à Top Office juste là et on se retrouve tout à l'heure. On y va. Alors, je viens juste de rentrer et j'ai trouvé les arbres de Noël. Bon, c'est con. Mais voilà, donc j'ai trouvé, donc il y en a un, c'est un arbre Kinder. Et l'autre, en dessous, c'est un arbre Celebration. Donc voilà. Donc, je posterai. J'ouvrirai donc une case chaque soir, voilà. Donc là on est le 30 novembre mais demain donc le 1er décembre, donc demain j'ouvrirai une case, je ferai directement le montage juste après puisque demain dans ma journée j'ai rien de super important et super intéressant à vous montrer et à faire si ce n'est le montage que vous regardez, enfin la vidéo que vous regardez actuellement. Donc voilà, donc demain matin j'ouvrirai donc la première case du calendrier de l'Avent,
je montrerai le vlog et je le publierai directement après sur ma chaîne. Et je ferai ça chaque jour jusqu'au 31 décembre. C'est top, voilà, comme ça je partage ça avec vous. Plutôt que le faire tout seul dans mon coin comme un petit couillon, et ben je le ferai virtuellement avec vous en fait, voilà. D'ailleurs vous voyez juste là, donc là il y a l'arbre de Noël, donc Kinder, et celui-ci, donc le Celebration, il est juste là. Je voulais aussi vous dire qu'en réfléchissant bien, focus s'il te plaît, merci, en réfléchissant bien, je ne vais pas faire des vlogmas tous les jours, puisque j'ai demandé l'avis d'un ami à moi, et effectivement il a raison, personne en gros ne regarde de vlogmas, si ce n'est Andrew Phoenix, donc... quand on a beaucoup d'abonnés, on peut faire des vlogmas parce qu'il y a environ 50 000 vues chaque jour. Mais quand on est comme moi, on n'a pas encore 5 000 abonnés, les vlogmas tous les jours, c'est un peu, bon, c'est un peu limite. En revanche, moi je maintiens le fait de filmer les jours du mois de décembre qui seront importants et qui seront intéressants pour vous, pour que vous puissiez regarder. Je vais pas vous filmer tout et n'importe quoi juste pour faire du contenu. Si mes journées ne sont pas super folichonnes et qu'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, je vais tout simplement pas vloguer, ça ne servira à rien. Donc voilà, juste ce qui change, c'est que ça ne sera pas tous les jours. Et je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Et bien voilà, donc ce vlog touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain donc pour l'ouverture d'une des cases du calendrier de l'Avent, donc du 1er décembre. Donc je vous fais plein de bisous et puis ben, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao tout le monde. Yo, what's up? Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui, donc c'est la suite du vlog que vous avez vu juste avant. Nous sommes le 1er décembre et aujourd'hui nous ouvrons la première case du calendrier de l'Avent. Donc on va ouvrir la première case du Kinder. La première elle est là. Ouais, un Kinder, ouais. Et le numéro 1, il est là. Hop. Les Bounty, tout ce que j'aime pas. J'aime pas les Bounty. Donc celui qui le veut, il me le dit en commentaire, hein, puisque j'enverrai, non je déconne. Oh, j'aime pas les Bounty. Oh, super pour commencer le mois. Enfin voilà, écoutez, aujourd'hui j'ai rien de très spécial à vous vloguer. Demain, en revanche demain, je vais faire du shopping pour Noël, tout ça, pour les fêtes. Voilà, je vais sortir un peu, donc je vais vloguer la journée de demain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc il y aura aussi des informations en barre d'infos concernant le concours des 5000 abonnés, puisqu'il n'est pas du tout clos, il vient de commencer. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Ciao tout le monde, bye bye.